Pascal. La louange, toute la louange à l'agneau Pascal. Toute la vénération, la célébration, la contemplation, l'adoration, notre adoration à l'agneau Pascal. Bien-aimés de Dieu, nous célébrons l'agneau Pascal aujourd'hui. Nous célébrons celui qui est ressuscité, le ressuscité. Quel est son nom? Christ ressuscité, celui en qui nous avons cru. Alléluia. Église de Dieu à travers le monde entier, cela n'est pas une coutume. Amen. Mais cela est un style de vie. Amen. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous célébrons la Pâque. Aujourd'hui, c'est un dimanche pascal. D'ailleurs, je te souhaite un bon dimanche pascal dans la présence de Dieu. Amen. Christ est notre Pâque, l'agneau immolé qui s'est offert en rançon pour toi et pour moi. L'agneau de Dieu qui s'est donné sans hésitation pour nous. L'agneau qui s'est offert, qui s'est donné en rançon, lui qui a payé le prix fort, ce prix ultime pour notre rédemption. Amen. C'est lui, Christ ressuscité, celui que nous sommes venus célébrer, celui que nous magnifions aujourd'hui. Mais bien aimé, pas qu'aujourd'hui. Amen. Parce que notre vie, c'est un style de vie différent, particulier du monde. Nous célébrons la vie de Christ, nous célébrons sa naissance, nous célébrons sa mort et nous célébrons sa vie tous les jours. Et plus encore, nous célébrons sa résurrection, le ressuscité du troisième jour, celui qui est allé récupérer les clés de ta destinée et il te les a redonnées. Il t'a légué les clés de ta vie, bien-aimé. Les clés de ta vie ne sont pas enfouies dans les eaux. Les clés de ta vie ne sont pas enfouies quelque part, bien-aimé, suspendues quelque part. Mais les clés de ta vie sont entre tes mains. Et la seule personne qui détient les cordes secrètes de ta vie, c'est Christ lui-même. Alors bien-aimé, même pas peur, ta vie est entre ses mains. Est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur là où tu es? Est-ce que tu peux encore acclamer? Lorsque tu acclames, tu proclames encore sa vie. Lorsque tu acclames, tu proclames encore sa gloire dans ta vie. Lorsque tu acclames, tu attestes encore de sa résurrection. Parce que nous n'adorons pas un Dieu qui est mort, mais nous adorons un Dieu qui vit pour l'éternité. Il est le premier, il est le dernier. C'est ainsi que je vais nous inviter à lire la parole de Dieu. Amen. Avant de rentrer dans des temps de célébration, d'adoration, nous allons lire un passage, un chapitre extraordinaire. Nous allons lire la parole dans Ésaïe 53. Amen. Nous allons commencer par le premier verset. Il est écrit, « Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ?» Là, c'est le prophète Ésaïe qui parle. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejetant qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire, rien de particulier pour nous plaire. Amen. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié, abandonné de Dieu. Mais il était blessé dans nos péchés, blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Et l'Éternel a frappé pour l'iniquité de nous tous. Alléluia. Amen. Nous voyons que le prophète Ésaïe était en avance. La bouche autorisée de Dieu, les yeux de Dieu étaient en avance. Amen. Il parlait déjà de la vie de Christ. Il parlait déjà de la souffrance à venir du Christ. Amen. Alors, toute cette œuvre a été faite pour toi et pour moi. Ce calvaire, ce parcours périlleux pour toi et pour moi. Rien que par amour. Oh, bien-aimé, réalisons un peu l'amour de Dieu. Rien que par amour, bien-aimé de Dieu. Alors, je vais t'inviter à ne pas être triste. Nous ne sommes pas des religieux, amen, mais soyons joyeux, parce que cela montre à quel point nous sommes des privilégiés, quel privilège de lui appartenir, alléluia. Alors je vais t'inviter à disposer ton cœur, amen. Tu vas disposer ton cœur tout simplement et tu vas commencer à te déverser.
à t'abandonner entre ses saintes et divines mains, dans la célébration, dans la contemplation, dans l'exaltation pour la seule gloire de son nom. Mon Jésus, je me livre
dis-lui, dis-lui. Dis-lui simplement ce que ton cœur peut dire en cet instant. Libère-lui simplement ce que ton cœur peut libérer cet instant. Dis-lui, 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 dis-lui. Cela se passe au niveau du cœur. Cela se passe au niveau du cœur. Oh, cela se passe au niveau du cœur. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes pensées. Je me livre, Seigneur. Je me livre totalement. Je me livre totalement. On ne peut se livrer totalement quand on ne monte pas la montagne. Quand on ne quitte pas la terre pour monter à la montagne. Quand on se débarrasse de nos fardeaux pour monter à la montagne. Quand on se détache pas, quand on ne met pas cette distanciation de la montagne. Totalement, ton église se livrer totalement, ton église se détourner de tout, ton église se détourner de tout, et afin de te contempler, de te contempler, t'as le feu qui embrase tout. Nous chantons à l'agneau de Dieu, nous chantons à l'agneau de Dieu. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite à dresser ta table. Je t'invite à dresser une table convenable afin d'accueillir le roi de gloire. Amen. Je t'invite à dresser une table comme il se doit. Et je t'invite à disposer ton cœur. Là, je parle, j'emprunte un langage spirituel, amen, mais aussi un langage, bien entendu, courant. Alléluia. C'est le jour du Seigneur, c'est un jour particulier. Il est vrai que tous les jours lui appartiennent, mais aujourd'hui, c'est encore plus différent. Amen. Alors là où tu es, certainement, tu as pris le temps de disposer ta table. Tu as pris le temps de disposer ton pain sans levain. Tu as pris le temps de disposer l'eau. Tu as pris le temps de disposer le sang de l'agneau, qui est l'image de ce fruit de la vigne. Amen. Pas du vin, mais du fruit de la vigne, pour la gloire de notre Dieu. Amen. En famille ou seul à seul, rien qu'avec le Seigneur, bien-aimé de Dieu, prends le temps de dresser ta table pour honorer le roi de gloire. En signe, en souvenir de notre alliance avec lui. Bien-aimé, en prenant de cette chair, en prenant de ce sang, bien-aimé, avec la foi de ton cœur, crois tout simplement que celui qui a déjà fait te le reconfirme encore. Comme je vous l'ai dit hier, en me réveillant le matin, le Seigneur me dit, Inès, malgré les situations, j'ai un plan. Amen. Malgré les situations, Dieu a un plan. Il s'est encore adressé à lui-même en tant que Dieu. Dieu a un plan. Alors le Dieu des plans est efficace. Bien-aimé, fais-lui tout simplement confiance. Et toi, fais ta part et continue à t'offrir encore aujourd'hui. Parce que les ténèbres reculent toujours. Les ténèbres régneront point toujours. Les ténèbres reculent devant la gloire du Dieu ressuscité. Alléluia. Dans le
Déjà été fait avant même la création du monde. Alors nous te dressons, nous t'offrons ce qui est parfait. Même si cela n'est pas parfait aux yeux des hommes, mais cela est parfait à tes yeux, alors que toute la gloire te revient. Qui a déchiré les actes qui nous condamnaient, les ordonnances qui nous condamnaient, tu nous as rendus libres, Seigneur. Tu as fait de nous des hommes et des femmes de liberté. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Qui est comme toi? Toi, le rejetant de David, celui-là qui a été foulé au sol. Méprisé et abandonné. Mais qui, pourtant, s'est chargé de nos offenses. S'est chargé de nos fardeaux, de nos souffrances. Nous qui étions morts, enfouis dans la loi du péché et de la mort. Il nous a ressuscités avec lui. Quelle grâce, quel privilège. Ressuscité avec toi, Seigneur. Ressuscité. Nous te rendons toute la gloire, tout l'honneur, toute la majesté. Reçois, Seigneur, en ces prémices, en ce début du mois, Seigneur, les prémices de nos parfums, les prémices de notre célébration, de l'expression de notre adoration. Alléluia. Chaque chose en son temps, après avoir eu à boire le sang de l'agneau, après avoir eu à manger de son pain, nous allons maintenant nous asseoir pour manger la nourriture qui vient de lui, la parole qui nous est libérée aujourd'hui par le biais de son serviteur. Alors dispose ton cœur aujourd'hui pour être nourri. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes connectés sur cette modeste chaîne, sur notre modeste chaîne Explora TV. Amen. Soyez bénis et je saisis l'occasion de vous souhaiter à tous, à toutes, une très bonne fête de Pâques. Amen. Le monde tout entier célèbre en ces jours, en particulier les chrétiens, ils célèbrent en ces jours la fête de Pâques. Vous savez, la fête de Pâques est la fête la plus importante pour nous chrétiens. Alléluia. Aujourd'hui, nous célébrons des fêtes différentes. Nous célébrons nos anniversaires, des anniversaires de nos mariages, etc. Mais toutes ces choses, aux yeux de l'Éternel, ne vaut absolument rien. Mais la Pâque, par contre, a un impact positif dans nos vies. Amen.
Le monde tout entier célèbre cette fête qui symbolise beaucoup de choses dans la vie des enfants de Dieu. Et tout au long de la prédication, nous allons en parler. Ce matin, donc, je veux te parler sur la puissance de la Pâque. La puissance de la Pâque. Et oui, parce que, voyez-vous, bien-aimés, l'Église est passée parfois à côté des choses qui sont vraiment essentielles. L'Église n'a pas pris le soin pour expliquer certaines choses qui constituent un fondement dans la vie chrétienne, dans notre vie chrétienne. Amen. Bien-aimés, écoutez, le mariage, la Sainte-Sainte, c'est-à-dire la Pâque, le baptême, ça, c'est des choses, ça sont des choses que Dieu lui-même a instituées. Et il est de notre devoir pour savoir l'impact, la puissance qui se repose derrière ces choses. Amen. Très respectueusement, nous allons développer notre croissance spirituelle ce matin dans le livre d'Exode, chapitre 12. Amen. Et je réalise tout simplement, j'ai la joie de mon cœur parce que, voyez-vous, j'ai comme l'impression que ça serait le passage le plus lu chez les hommes de Dieu aujourd'hui. Mais la particularité, vous allez convenir avec moi, est que chacun va expliquer selon la grâce que Dieu l'a donnée. Amen. Et c'est pourquoi j'aime Dieu, parce que la parole de Dieu ne se contredit pas. On ne fait que se compléter les uns des autres. Amen. Alors, ce texte a été donc l'origine de ma méditation tout au long des 7 semaines. Nous lisons dans Exode chapitre 12 ceci. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci serait pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau. Nous avons tous entendu, un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Retenez bien cela, l'immolera entre les deux soirs. On prendra, moi ce que j'aime chez Dieu, c'est que c'est la façon dont il explique les choses. Regardez le verset 7. La Bible nous dit que on prendra de son sang et on mettra sur le des poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on le mangera. On en mangera la chair rôti au feu. Retenez cela. Rôti au feu. Et on le mangera avec du pain sans levain et les herbes amères. Vous le mangerez point à demi cuit et bouillant dans l'eau. C'est pas ce que Dieu nous demande. Mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes, l'intérieur. Bien-aimé, je lis directement le verset 12 qui dit: et cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai le jugement entre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je ferai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y a point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen.
On va s'arrêter là pour l'instant, sinon vous pouvez passer tout le temps à méditer le reste du texte biblique que nous avons lu d'Exode chapitre 12. Amen. Que Dieu soit loué. Bien-aimé dans le Seigneur, je disais tantôt que ce texte serait vraiment l'un des textes les plus exploités en ce jour particulier où le monde tout entier célèbre la Pâque. Et dans ce texte, j'ai tout simplement vu la gloire et la puissance des dieux, mais surtout la puissance de la Pâque. Donc nous voyons ici l'image et comment les choses ont réellement commencé. Amen. En ce qui concerne la Pâque, bien entendu que nous avons déjà vu certaines images de la Pâque dans l'Ancien Testament, toujours que nous sommes par exemple dans le livre de Genèse, où nous voyons par exemple quand Adam et Ève avaient péché, la Bible dit qu'ils étaient nus, et Dieu avait tué un animal. La Bible ne nous précise pas lequel, mais j'en suis persuadé que certainement ça pouvait être un agneau, n'est-ce pas, et prendre la peau pour couvrir la nudité de l'homme. Amen. C'est l'image ici. Nous voyons aussi l'image, par exemple, d'Ésaü et son frère Jacob. Alors que leur père Isaac avait faim, n'est-ce pas, il demande à l'un des fils, Ésaü, d'aller le chasser, un gibier. Et pendant que l'autre est parti chasser, Jacob, en complicité avec sa mère, va demander de tuer donc un animal et de se couvrir de cette peau afin qu'il puisse recevoir la bénédiction de son père. Ça aussi, c'est une image. Mais nous voyons ici l'image la plus frappante, n'est-ce pas? C'est dans Exode chapitre 12. Bien aimé, quelle histoire! La Bible dit que l'Éternel dit à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte, bien aimé, pendant que le peuple hébreu était dans la servitude en Égypte, souffrait durant 4 siècles, c'est-à-dire 400 ans, alléluia, durant 4 siècles, ils étaient dans la souffrance, alléluia. Ils étaient, bien aimés, opprimés par les Égyptiens. Voici que Dieu va visiter Aaron et Moïse en leur disant que ce mois-ci serait pour vous le premier de mois. Alléluia. Ce mois-ci. Dieu est précis. Il n'a pas dit que le mois prochain, mais il dit ce mois-ci. Or, quand nous voyons le mois en question, quand nous voyons le calendrier grec ou hébraïque, ça correspond au 7e mois de l'année. Je dis bien au 7e mois de l'année. Alléluia. Or, nous sommes au 4e mois de l'année. C'est dans notre calendrier romain. Amen. Mais peu importe, ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. Amen. Donc, Dieu précise. Bien, ce que j'aime dans ce texte, c'est de voir que pendant que le peuple hébreu souffrait, le peuple souffrait, mais malgré qu'ils étaient dans la souffrance, Dieu visite quand même ce peuple pour leur dire, bien, écoutez, j'ai envie de dire à une personne que pendant que tu traverses des moments difficiles, laisse-moi te dire que Dieu voit le positif. Pendant que tu pleures, laisse-moi te dire que Dieu est en train de planifier déjà un plan merveilleux dans ta vie. Amen. Pendant que tu es en train de soupirer, Dieu est déjà en train de faire des calculs pour te permettre demain et après-demain de témoigner en son honneur. Alléluia. Donc, pendant que le peuple souffrait, Dieu visite. Et il dit, bien-aimé, c'est-à-dire que pendant que le peuple souffre, Dieu avait déjà une vision pour ce peuple. Alléluia. Donc, malgré tes souffrances, malgré les moments difficiles que tu traverses, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Je précise. Ça se dit que plus tard, il pouvait dire à Jérémie que j'ai des plans de bonheur pour vous, de paix et non de malheur. Mais pendant qu'il dit, bien-aimé, autre temps, le peuple est en train de souffrir. Et la Bible dit que ce mois-ci, donc peu importe le calendrier qui avait été établi par les Égyptiens, par Pharaon, mais Dieu
qui est. Oh non, Dieu est merveilleux. Bien aimé, écoutez, notre Dieu vient pour chambouler tout. Il chamboule tout. Il dit que peu importe que vous êtes déjà au septième mois, peu importe que vous avez déjà dépassé, mais ce mois-ci, ça serait pour vous le premier du mois. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, je m'en vais te dire qu'il y a le calendrier des hommes, mais il y a aussi le calendrier des dieux. Amen. Il y a les agendas des hommes, mais il y a aussi les agendas l'agenda des dieux. Alléluia. La Bible dit qu'il est le maître des temps et de toutes circonstances. Et nous aimons bien le dire, c'est un Dieu qui sort hors du temps de l'homme pour mieux contrôler les temps. Alléluia. Bien aimé, écoutez, je m'en vais te dire que peu importe les planifications qui ont été faites par ton adversaire, par le diable, par les sorciers de ta famille, mais Dieu a aussi un calendrier qu'il a fait. Et il vient, il visite le peuple. Il dit que ce mois-ci, c'est-à-dire au-delà des souffrances que vous avez traversées, ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Bien-aimé, j'ai envie de dire à une personne qui m'écoute ce matin, où je suis, où nous célébrons tous la Pâque, que ce mois-ci, alléluia, ça serait un mois, bien-aimé, où Dieu va te visiter d'une manière particulière. Si tu crois, dis seulement Amen. Pourquoi? Parce que nous allons voir tout au long de ce texte. Et j'ai envie de te dire encore une fois de plus, car aujourd'hui, nous célébrons quoi? La Pâque. Nous célébrons la Pâque. Amen. Donc, Dieu, il visite son peuple et lui dit que ce mois-ci, bien-aimé, ça serait pour vous le premier de mois. Alléluia. Et bien-aimé, ce n'est pas Ertel qui parle, mais c'est Dieu d'Israël qui parle. Le Dieu Tout-Puissant qui parle. Bien-aimé dans le Seigneur. Et quand il parle, il donne des choses, des restrictions, des instructions divines qu'il faut maintenant respecter. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe, bien-aimé, que ici, le peuple était en train de souffrir. Bien-aimé dans le Seigneur, quand nous lisons chapitre 12, ce que Dieu va faire, moi j'appelle ça la dernière carte de l'Éternel. Ça, c'est la dernière carte de l'Éternel. Alléluia. Bien aimé, l'ennemi est intelligent, mais son intelligence est limitée. L'ennemi ne peut pas comprendre l'alphabet du Saint-Esprit. L'ennemi ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez. Ça, c'était la dernière carte, c'était la dernière touche, c'était la dernière balle de l'Éternel. C'est-à-dire que cette balle, quand il va tirer, il faut que ça touche absolument la cible. Autre temps, Dieu avait déjà fait des miracles avant. Nous voyons tous, nous connaissons tous les dix plaies de l'Égypte. C'est-à-dire les miracles que Moïse a eu à faire. Alléluia. Mais écoutez, aucun de ces miracles a impressionné Pharaon. Aucun de ces miracles a permis à Pharaon, bien aimé, de libérer le peuple. Mais une fois que Dieu va donner maintenant, c'est que cette instruction qui constitue tout simplement la Pâque, bien aimé dans le Seigneur, nous allons voir la suite. La suite nous dit que ce n'est plus Moïse ni Aaron qui est venu voir Pharaon pour dire libère le peuple. Mais c'est lui-même Pharaon qui va venir maintenant voir Moïse et Aaron pour dire je vous libère, prenez le peuple et partez. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit la puissance de la Pâque. La puissance de la Pâque, bien-aimé, permet à tes ennemis, bien-aimé, de libérer ce qu'ils avaient autrefois détenu. Alléluia. La puissance de la Pâque. Alléluia. Autre temps, j'ai envie d'abord de vous dire une chose. Autre temps, bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre une chose. Que le diable cherche à donner une autre image de la Pâque. La Pâque, nous pouvons la définir de la façon la plus simple. La Pâque,
C'est le passage de la mort à la vie. Alléluia. La Pâque, c'est le passage de la mort du monde des ténèbres au monde de la lumière. Le passage, c'est un changement de la vie. Alléluia. Tu quittes la mort pour aller à la vie. Amen. C'est tout simplement un passage qui marque la différence entre le A et le B. Qui marque la différence entre ta vie d'hier et ta vie d'aujourd'hui. Je définirai encore de cette façon comme si la Pâque est le commencement de ta vie et la fin de tes souffrances. Alléluia. Oui, je dis la fin de tes souffrances et le commencement de la vie. Amen. Bien-aimés, écoutez. La Pâque aujourd'hui, je regrette de la façon dont le monde le célèbre, la célèbre. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire que je suis venu célébrer ou je célèbre la Pâque et non la Pâque avec S. Le diable qui savait que la Pâque est une puissance, que la Pâque était la dernière cartouche de l'éternel. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à donner une autre image de la Pâque. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis désolé. J'ai fait une étude. J'ai cherché dans la Bible. Je n'ai pas vu un passage biblique qui parle de la Pâque avec S. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, que Jésus est la vraie Pâque qui a été immolée. Et la Pâque, c'est Jésus. Ainsi, Jésus est la vraie Pâque. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, d'où vient qu'aujourd'hui, on célèbre la Pâque avec les œufs de chocolat, de lapin et toutes ces choses? Ça sort d'où? Amen. Quand nous voyons dans la Bible, bien-aimé, aucun animal représente, il n'y a que trois plutôt animaux qui représentent Jésus-Christ. Soit c'est le lion, soit c'est l'aigle, soit c'est l'agneau. Mais jamais, bien-aimé, on a parlé de lapin comme étant l'image de l'agneau. Nous avons lu le texte, la Bible dit que vous prendrez un agneau, alléluia, sans défaut, âgé d'un an. Dieu précise bien les choses, l'agneau, alléluia. Pourquoi nous disons que Jésus est la vraie Pâque? Souvenez-vous que quand Jean-Baptiste l'avait vu, la première des choses que Jean-Baptiste a dit, il dit, voici l'agneau, celui qui ôte le péché du monde. Mais Jean-Baptiste n'a pas dit, voici le lapin. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous voyons que la Pâque, c'est le chocolat. La Pâque, je ne suis pas ici pour célébrer la fête de chocolat. Je ne suis pas ici pour célébrer la fête des cache-cache, des œufs de chocolat. Non, je suis là pour célébrer la Pâque. La Pâque de mon Seigneur Jésus-Christ qui a été immolé. Alléluia. Et nous allons rentrer dans le détail pour démontrer comment justement Jésus-Christ a fait. Amen. Je regrette. Le diable cherche à mystifier les choses. Le diable cherche à donner une autre image, bien-aimé. Écoutez, trois choses que Dieu a instituées. Le mariage. Pourquoi le diable veut salir l'image du mariage? Mais parce que c'est dans le mariage où le mariage est la toute première école de la vie de l'homme. C'est la base. C'est pourquoi Dieu a envoyé son fils Jésus-Christ là où il y avait un homme et là où il y avait une femme. Alléluia. Bien aimé, écoutez, le mariage est sacré et elle a été instituée par lui-même Dieu. Amen. Parce que le mariage est une image aussi qui montre que nous sommes l'épouse et Christ est notre époux et il viendra nous chercher.
Alléluia. Donc, aujourd'hui, bien-aimés, dans une famille, quand le diable cherche à vous attaquer, il va d'abord commencer à attaquer la famille. Si ce n'est pas papa, si ce n'est pas papa, ça serait maman. Si ce n'est pas maman, ça serait papa. Vice-versa. Et même quand il n'arrive pas, il va commencer à attaquer les enfants. Et bien-aimés, ce qui est triste, c'est de voir qu'aujourd'hui, il y a plus de divorces que de mariages. Aujourd'hui, bien-aimés, nous voyons le diable ayant su que le mariage a une puissance, car il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Deux valent mieux qu'un. Alors, le diable va introduire une autre forme de mariage qu'on appelle aujourd'hui le mariage de homo, d'homosexuel, homo, des homos, le mariage homme-homme. Bien-aimés, je suis désolé qu'on m'arrête, mais si vous voulez m'arrêter, si on va m'arrêter, qu'on arrête aussi la parole de Dieu, qu'on arrête aussi Dieu, ça serait une bonne chose. Car les autorités ont dit que celui qui parlera contre l'homophobie sera maintenant arrêté. Mais je suis désolé, bien-aimé, parce que moi je dis ce que Dieu a dit. Et Dieu a dit quoi? Dieu a dit quoi? Bien-aimé, écoutez, quand Dieu crée l'homme, il a créé l'homme. Comment s'appelait cet homme? Cet homme s'appelait Adam. Mais quand il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il va créer qui par la suite? Il va créer Ève. Bien, mais convenez avec moi que Dieu n'a pas créé Yves. Ce n'était pas Adam et Yves, c'était Adam et Ève. L'homme veut dire être vivant. Ève veut dire porteuse de vie ou la vie. Alléluia. Bien-aimé, tu vas te marier avec un homme, l'homme ne peut pas t'emmener la vie. Non. Non, non, non. Donc, voyez-vous, le diable se sert de cette institution pour salir l'image de Dieu, pour salir l'image. Et il a introduit ça partout dans le monde. Et voilà maintenant dans toutes les institutions du monde. Aujourd'hui, on commence à célébrer ces choses. Même dans les pays qui sont plus proches de la moralité de Dieu, on commence aussi à le faire. Amen. Concernant le baptême, n'en parlons plus. Ça, c'est aussi une institution que Dieu avait fait. Alors, concernant le baptême, regardez. N'allons pas loin. Pourquoi Jésus, quand il était né, on ne l'a pas baptisé sur les champs? Mais on ne peut pas baptiser un enfant qui n'a pas la conscience. Un enfant n'a pas de conscience. On ne peut pas baptiser. On baptise qu'une personne qui a une conscience. Amen. Mais regardez dans les religions. Comment ça se passe? On baptise des bébés. On baptise des enfants. Pourquoi Jésus lui-même n'a pas été baptisé quand il était bébé? Pourquoi attendre à 30 ans pour se faire baptiser par Jean-Baptiste? Bien-aimé, là aussi, le diable veut salir cette image. Amen. Le diable veut salir. Et on met des gouttes d'eau. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, des gouttes d'eau. Ce n'était pas des gouttes d'eau que Dieu avait. Le baptême, c'est plonger, mourir et ressusciter avec Jésus-Christ. Baptême par immersion, c'est ça le vrai baptême. Quand on te plonge dans tout ton corps dans l'eau, c'est ça. Et non des choses. Oh, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Je parle à une personne. Amen. Et aujourd'hui, la Pâque, la Sainte Cène a été instituée par Dieu. Souvenez-vous, Jésus-Christ lui-même, la dernière Pâque qu'il a mangée avec ses disciples, c'était la Sainte Cène. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Paul n'était pas là, mais plus tard, Paul va dire que la vraie Pâque, c'était Jésus-Christ. Amen. Mais regardez aussi là, qu'est-ce que le diable a fait. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis désolé. Je n'ai pas vu la Pâque avec S dans la Bible. J'ai que vu la Pâque que Dieu parle. Et la Bible dit, n'ajoutez rien, ne retranchez rien. Aujourd'hui, on dit, certaines personnes, j'ai discuté cela avec mon épouse, il m'a même donné une information, une bonne information d'ailleurs, alléluia, où on démontre que la Pâque, c'est la mort de Jésus-Christ, on célèbre la mort de Jésus-Christ. Mais chez les chrétiens, on ne célèbre pas seulement la mort et la résurrection. Donc, la mort et résurrection, c'est ça qui donne donc la Pâque avec S. Oh non. Je suis désolé. Je suis désolé. Alléluia. Non, non. Écoutez. La Pâque avec S,
C'est une Pâque qui a aussi été inventée par le diable. Alléluia. Tout a commencé à Babylone. Tout a commencé à Babylone, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Où le dieu Tammuz célébrait chaque année la fête de sa mère, Esther. Alléluia. La fête de sa mère qui s'appelait Esther. La résurrection de sa mère qui s'appelait Esther. Or, Esther, en anglais, c'est Ista. Ista. En anglais, c'est Ista. Or, Ista, en anglais, ça veut dire quoi? Pâques. Et c'est cette Pâque-là, aujourd'hui, qu'on nous présente avec des œufs, qu'on nous présente avec le lapin. Bien-aimé, je ne suis pas là ce matin pour te parler de la Pâque avec des œufs de lapin. Alléluia. Dieu est précis. Il a dit un agneau. Il n'a pas dit un lapin. Je suis désolé. Et le diable se sert de cela. Oh, yeah, yeah. Les artisans des chocolatiers saisissent l'occasion pour vendre le plus leur marque. Ainsi, ça a déjà un impact partout dans le monde. Mais peu importe, ce n'est pas ça la Pâque. La Pâque, nous allons le voir tout de suite. Alléluia. Nous allons le voir tout de suite. Alors, ils se sont donc servis de cela. Et cette Pâque qui est célébrée plus précisément chaque mois de mars, chaque mois de mars, où on célèbre cela et on prend le lapin qui est l'image de la fertilité, n'est-ce pas? Et les œufs et tout ça. Mais bien aimé, en toute honnêteté, peu importe, la Bible dit faites tout pourvu que ce soit pour la gloire de Dieu. C'est bien beau. Moi-même qui vous parle, j'ai acheté des chocolats pour mes enfants. Alléluia. Donc, il n'y a rien de mal. Mais le problème, posons-nous seulement la question, où est-ce que Dieu a mentionné cela dans la Bible? Où est-ce que Dieu a dit que la Pâque, ce sont des œufs au chocolat, ou encore c'est le lapin? Où est-ce que Dieu a mentionné cela? Amen. Or, la Bible nous dit que vous prendrez un agneau. Bien aimé, écoutez, l'église est passée à côté parce que c'était des choses qu'on devait expliquer. Amen. Aujourd'hui, l'église ne tarde pas à expliquer sur le fondement et l'impact de la puissance du mariage. Aujourd'hui, nous voyons même des pasteurs, des chrétiens se marier, se divorcent, alors que le but n'est pas là. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimés, on ne montre pas l'importance du baptême aux enfants. Alléluia. Aujourd'hui, on ne parle pas de l'impact et la puissance de la Pâque aux enfants de Dieu. Et nous ne savons pas, nous sommes confondus parce que nous vivons dans le monde. Nous sommes confondus et on croit que toute information que nous recevons, bien aimé, cela est la vérité. Non, non. Revenons sur les fondements de la parole de Dieu. Alléluia. Revenons sur les fondements de la parole de Dieu. Amen. La Bible précise une chose, bien aimé. La Bible dit ceci, que ça sera un agneau sans défaut. Mal âgé de nom. Alléluia. Il précise. Pourquoi sans défaut? Pourquoi sans défaut? Alléluia. Et pourquoi mal? Parce que Jésus lui-même était un homme. Alléluia. Pourquoi sans défaut? Parce que Jésus lui-même était un homme sans péché. Alléluia. La Bible dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais lui, il n'était pas privé de la gloire de Dieu. Alléluia. Lui, il n'était pas privé. C'est pourquoi qu'il dit à Thomas, celui qui m'a vu, a vu le Père. Alléluia. Lui, il avait le reflet de la gloire de Dieu sur lui. Sur cette terre dont il vivait, des hommes. Amen. Il était sans défaut. Maintenant, regardez, la Bible dit que on prendra de son sang et on montera sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette nuit même, on le mangera. On mangera la chair rôtie. La chair rôtie au feu. On le mangera avec le pain sans levain. C'est pourquoi quand nous faisons la Sainte Cène, nous le faisons toujours avec le pain sans levain. Vous le mangerez point à demi-cuit. Et si l'on, vous le mangerez point à demi-cuit, et là il précise, et bouillant dans l'eau, mais il sera rôti de feu
Amen. Vous savez, cette partie, ça m'intéresse, ça me parle. Bien-aimé, cette partie, ça me parle. Nous avons dit que l'agneau est l'image de Jésus-Christ. Dieu précise que l'agneau ne devait pas être cuit, mais saignant. À feu. Cuire à feu. Alléluia. Bien-aimé, Dieu prend le soin pour préciser que nous ne devons pas mettre l'agneau dans l'eau bouillante. Pourquoi? Parce que l'eau symbolise la vie. Mais quand elle devient bouillante, elle symbolise quoi? La souffrance des hommes. Amen. Or, Dieu dit que vous devez le cuire au feu. Pourquoi le feu? Parce que le feu symbolise la justice des dieux. Alléluia. Donc, la Bible précise que l'agneau doit être saignant. Pourquoi? Bien, mais quand on parle de la Pâque, on voit des choses. La mort et le sang. Alléluia. La mort et le sang. La mort, bien aimé dans le Seigneur, ça marque. Quand on parle de la mort, on voit tout de suite le pardon de nos péchés. D'accord? Et quand on parle du sang, on voit tout de suite le rachat. Ça nous rachète. Donc le sang pour nous purifier, nous sanctifier. C'est pourquoi vous allez constater que quand Jésus-Christ est mort, bien aimé dans le Seigneur, vous allez constater que Jésus-Christ, on ne l'a pas coupé en morceaux, on ne l'a pas, permettez-moi l'expression, on ne l'a pas mis dans l'eau bouillante. Amen. Mais il est mort, si vous me permettez l'expression, frais. Amen. Or, quand une personne meurt frais, même si tu la blesses, le sang va toujours couler. Alléluia. Bien-aimé, regardez. Quand Jésus-Christ a été arrêté, quand il a été conduit près de Pilate, qu'est-ce que Pilate avait dit? Alléluia. Qu'est-ce que Pilate avait dit? Pilate avait dit à Jésus-Christ que moi j'ai le pouvoir de te laisser. Mais qu'avait répondu Jésus-Christ? Jésus avait répondu en disant que tu n'as pas le pouvoir sur moi. Si peut-être Dieu t'a donné ce pouvoir, d'accord. Mais si Dieu ne t'a pas donné ce pouvoir, tu n'as pas ce pouvoir sur moi. Pourquoi Jésus dit cela? Alléluia. Bien-aimé, écoutez. Personne ne pouvait arrêter l'action à laquelle Dieu voulait faire ou Jésus voulait faire. Il dit qu'il a le pouvoir, mais il n'avait pas le pouvoir. Il dit même que je peux ordonner qu'on te libère et tout quelque chose comme ça. Jésus dit que, oh, mais moi je peux invoquer des anges. J'ai des milliards d'anges. Ils peuvent venir faire une opération ici, un coup d'état ici. Alléluia. Mais Jésus-Christ, quand on lui posait toutes ces questions, il ne répondait pas. Quand on lui posait des questions, bien-aimé, il ne répondait pas. La Bible dit qu'il était silencieux. Vous savez pourquoi? Parce que s'il se défendait, ça devait compromettre l'action de Dieu, le plan de Dieu pour l'humanité. Parce que la Pâque marque le plan de Dieu sur les hommes. La Pâque marque, révèle même l'amour de Dieu pour l'homme. Sans la Pâque, nous ne pouvons pas voir l'impact de Jean 3,16 à lui. C'est pourquoi Jésus ne pouvait pas se défendre. Il dit que si je me défends, non, Jean-Christ ne me prêchera plus l'évangile. Si je me défends, non, la famille CC n'existera pas. ICC n'existera pas. Le corps de Christ ne va pas exister. Si je me défends, bien-aimé dans le Seigneur, toi et moi, on ne devait pas se connaître. Alors, il fallait que la parole s'accomplisse.
l'agneau devait être sacrifié. Amen. Bien-aimé, écoutez. Pilate a voulu l'empêcher. Mais il a dit à Pilate que tu n'as pas le pouvoir. Alléluia. 10. On va voir si je peux retrouver ça. Ça me vient à l'esprit au moment où j'ai dit comme ça. Amen. Jean 10. Attendez. Jean 10. À partir du verset 17. Je vais prendre plus le père. Oui, je vais prendre plus le verset 18. La Bible dit, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la répondre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon père. Oh my God. C'est très profond ça. C'est-à-dire qu'il était en train de dire indirectement à Pilate, bien-aimé, que toi tu n'as pas le pouvoir sur moi. Tu ne peux pas prendre l'action que moi j'ai envie de faire. Amen. Et personne n'a le pouvoir. Personne n'a le pouvoir parce que Dieu m'avait déjà mandaté quand j'étais venu sur terre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit même que quand il était à la croix, bien-aimé, la Bible nous dit que l'ange lui proposa, il dit qu'il avait soif et on a proposé de boire du vinaigre. Or, le vinaigre devait alléger, n'est-ce pas, la souffrance de Christ. Mais non, non, non. Le but n'était pas d'alléger la souffrance. Et là encore, il montre son amour pour l'homme. Il a dit non. Je dois souffrir pour Rachel. Je dois souffrir pour mes enfants. Je dois souffrir pour Dahlia. Je dois souffrir pour Elodie. Je dois souffrir, hein, n'est-ce pas, pour mes enfants. Je dois souffrir pour quiconque. Personne ne peut m'empêcher. Pourquoi? Pour l'amour qu'il avait pour toi. Amen. Bien-aimé, qu'on arrête de nous culpabiliser. C'est lui qui a tout pris. Amen. La Bible ne s'arrête pas là, bien-aimé. La Bible dit, souvenez-vous, bien-aimé, que toutefois, quand Jésus parlait, il disait toujours, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. Alléluia. Il dit lui-même que le Fils ne fait rien sans le Père. Alléluia. Bien-aimé, écoutez, regardez cette relation entre Dieu et Jésus, le Père. Ah! J'ai envie de dire que Dieu nous donne ces gens des enfants dans la foi qui ont une bonne relation avec leur Père. La relation entre Dieu et Jésus, c'est une relation bien-aimée qui n'a ni condition. C'est-à-dire, vous allez remarquer que Abraham, quand il s'exprime, il parle de Dieu. Moïse, quand il s'exprime, il parle de Dieu. Josué, quand il s'exprime, il parle de Dieu. Tous ont parlé de Dieu. David a parlé de Dieu, l'éternel Dieu, éternel d'Israël, Dieu d'Israël, etc. Mais l'unique qui parlait de Père, c'était Jésus-Christ. Vrai ou faux? C'était Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il dit Père. Parce qu'il était à l'instant même le Fils unique de Dieu. Mais bien entendu, avant sa mort. Parce qu'avant sa mort, il est fils unique. Mais après sa mort, il devient le premier-né. Donc, après la mort, Dieu, Jésus, après sa mort, nous donne accès également d'appeler Dieu notre Père. Abraham, Moïse, tout ce monde parlait que de Dieu d'Israël. Dieu, l'éternel, etc. El éternel, El Shabbat, etc. Comme vous voulez, mais jamais en termes de Père. Donc, la relation que Jésus avait avec Dieu, c'est cette relation après sa mort. Et tout ça, c'est les conséquences de quoi? De la Pâque. Alléluia. Regardez. L'unique fois, dans Marc 15,
L'unique fois où Jésus appelle son Père, mon Dieu, hein, où il avait dit, Élie, Élie Sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi Jésus ne dit pas, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais pour une première fois dans l'histoire de la Bible, Jésus appelle Dieu, Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Parce qu'à l'instant même, Jésus n'était plus le Fils de Dieu, car il avait maintenant pris tout le péché de l'humanité sur nous, sur lui. Et ainsi, Dieu l'avait tourné le dos. Alléluia. Car, bien aimé dans les Seigneurs, Dieu ne peut pas, comme nous l'avons vu la semaine passée, il vit que là où il y a l'amour, la justice, la purité. Jésus s'est revêtu de la honte de l'homme, de l'immoralité de l'homme, du péché de l'homme, de la malédiction de l'homme, de tout ce qui est, qui ne glorifie pas le nom de Dieu en lui. Et à l'instant même, son Père l'a tourné les dos. Alléluia. Mais moi, je pense que Dieu s'est souvenu quand même de son Fils. Alléluia. Dieu s'est souvenu de son Fils. Certainement, peut-être Dieu... Oh, je ne sais pas qu'est-ce qu'il pouvait imaginer dans le trône. Peut-être qu'il s'est levé, il a dit non, quand je pense à mon fils, quand je pense à mon fils Jésus, tout ce qu'il a eu à faire sur terre, non, je vais réagir, je vais envoyer l'ange, je vais envoyer les anges, des milliards d'anges, allez-y faire des scandales sur la terre. Mais pendant peut-être que Dieu voulait le faire, à un moment donné, il a entendu encore une autre voix qui pouvait dire, Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh, Jésus de Nazareth, alléluia. Oh, bien-aimé, à l'instant même, bien-aimé, Dieu s'est ressaisi. Il s'est souvenu, n'est-ce pas, de la voix de son Fils. Alléluia, s'est souvenu que son Fils est venu pour Brice, son Fils est venu pour ma fille, son Fils est venu pour quiconque sur la terre, afin que nous puissions avoir la vie. Jésus, c'est la vraie Pâque. Bien-aimé, dans ce texte d'Exode 12, nous voyons comment Dieu précise des choses. Il dit, bien-aimé, que nous devons manger saignant. Pourquoi? Parce qu'il voulait symboliser certaines choses. Amen. Il dit, souvenez-vous, par exemple, quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, la première nation, bien-aimée, où ils ont rencontré, l'une des nations qu'ils ont rencontré des obstacles, la première ville, c'était Jéricho. Mais bien-aimé, souvenez-vous que ce que Dieu avait dit à Josué. Quelle est l'arme que Dieu a dit à Josué de faire? Dieu va dire à Josué, pour prendre possession de ce pays, célébrer juste la Pâque. Bien-aimé, écoute, je suis là ce matin pour te dire que si des choses hier n'ont pas marché, laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, tu peux dresser ta table comme comme la servante de Dieu nous avait prêché la dernière fois, dresser la table, bien-aimé. Tu peux dresser ta table pour célébrer ta Pâque. C'est là où tu vas voir, bien-aimé, que des choses qui ne marchaient pas hier vont commencer à marcher. Amen. J'étais en train de dire, bien-aimé, que quand cette dernière, alléluia, carte a été faite, la Bible nous dit que Pharaon est venu seul voir Moïse, voir Aaron pour dire, écoutez, partez, partez, alléluia.
Ça, c'est la dernière carte de Dieu. Ça, c'est la dernière carte de Dieu. Alléluia. Écoutez, c'est cette carte que Jésus-Christ a fait sur la croix. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que tes ennemis, les sorciers de ta famille, tout ce qui nuit à ta santé, bien-aimé, ne peut pas franchir la ligne de la croix. Jamais. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, écoutez, la Pâque était en quelque sorte la prémisse. Je m'explique. Il fallait qu'il y ait la Pâque pour qu'il y ait la résurrection. Or, il n'y a pas résurrection sans la Pentecôte. Alléluia. Bien-aimé, écoutez, la Pâque a entraîné quoi? La résurrection de Christ. Or, cette résurrection a entraîné quoi? Entraîné l'arrivée de la Pentecôte. Amen. Ça veut dire que la Pâque a déclenché, en fait, la Pâque était en quelque sorte la prémisse, alléluia, les prémices, en fait, amen, pour avoir la moisson. Amen. Oh, bien, écoute ce que je te dis. Ceci est la vérité. Il fallait qu'il meure. Amen. Il fallait qu'il meure. Et sa mort entraîne quoi? La résurrection. La résurrection entraîne quoi? La Pentecôte. Et la Pentecôte, c'était quoi? Bien aimé, c'était la puissance du Saint-Esprit. Au travers de la Pentecôte, la Bible nous dit que 3000 personnes se sont converties, bien aimé. C'est-à-dire qu'au travers de cela, bien aimé, écoutez, Jésus n'était plus seul. Jésus avait maintenant beaucoup de frères sur la planète de la terre. Et tout ça, c'est quoi? C'est la Pentecôte. C'est pourquoi je suis venu ce matin célébrer mon Dieu, célébrer celui qui est mort à la croix pour moi, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Les miracles qui ont été faits n'ont pas déclenché la sortie des enfants d'Israël. Bien-aimé, tu as peut-être été béni, tu as eu peut-être un travail, mais que constates-tu? Que malgré ce travail, tu traverses toujours les moments difficiles. Alléluia. Tu as été peut-être béni dans un domaine précis, mais que constates-tu? Que dans les autres domaines, tu ne prospères pas. Bien-aimé, écoutez, il y a miracle et miracle. Tu peux vivre tous les miracles, mais laisse-moi te dire, tant que tu ne vas pas dresser ta table pour célébrer la Pâque, alléluia. Bien-aimé, écoute, laisse-moi te dire que la Pâque, c'est le passage. Tu quittes de la mort à la vie. Tu quittes du ténèbre à la lumière. Tu quittes, bien aimé, d'une situation catastrophique à une situation meilleure. Alléluia. Nous devons célébrer la Pâque et non de célébrer les œufs de chocolat. Non. Je ne parle pas de ces conneries. Je parle de la vraie chose, bien aimé. Alléluia. Amen. La Pâque, deux choses. La mort et le sang. Bien-aimé, enlève la culpabilité dans ta vie. La mort. Dieu est mort. Jésus-Christ est mort pour toi. Il a pris le péché de l'humanité. Il a pris ton péché. Bien-aimé, arrête de te culpabiliser. Et non seulement il a pris, il te rachète encore au moyen de son sang. Oh! Ce que j'appelle moi la puissance. Bien-aimé, quand les enfants d'Israël ont mis le sang sur les portes de leur linteau, bien-aimé, alléluia, le lendemain, alléluia, Pharaon est venu et il a dit, vous êtes désormais libres. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu demandes pardon et quand tu es lavé par le sang de l'agneau, que rien du passé ne puisse te condamner. C'est pour à ce titre que Paul pouvait dire que les choses anciennes sont passées. Voici, tout est devenu nouvelle. Amen. Laisse-moi te dire qu'avant, amen, avant le même Jésus, amen, qui a dit qu'il était le Fils de Dieu. Amen. C'est pourquoi d'ailleurs on cherchait à le tuer, parce que c'était inconcevable pour les Juifs, alléluia, d'entendre ces choses. Amen. Dès qu'il est mort, aujourd'hui toi et moi, on est devenus aussi fils de Dieu. Amen. Voilà le miracle, la puissance de la Pâque. Dès qu'il est mort, alors Jean s'accomplit, qui dit qu'il n'y a plus condamnation pour ceux qui sont devenus enfants de Dieu. Aujourd'hui, quand tu pries, tu peux dire « mon papa ». Alléluia. Ce privilège avait été seulement donné à Jésus-Christ. Amen. Mais aujourd'hui, toi et moi, on peut aussi le dire. Toi et moi, on peut dire maintenant « mon père ». Amen. C'est pourquoi il a dit dans sa parole, alléluia,
Il dit quoi? Qu'il est le père des orphelins. Donc, même si le monde t'a abandonné, même si ton père était mort, mais lui, il restera le père par excellent. Alléluia. Celui qui ne t'abandonnera point, celui qui ne te délaissera point. Bien-aimé, c'est le passage du royaume des ténèbres à la lumière, la Pâque. Alléluia. Il y a une puissance, alléluia, qui élève ta vie dans la Pâque. Je te dis la vérité, bien-aimé. Il y a une puissance, bien-aimé, qui débarrasse des choses dans ta vie. Si tu veux comprendre la Pâque, va lire Ésaïe 53. Tu vas comprendre. Il a dit que par ses maîtrisures que nous sommes guéris. Alléluia. Oh, bien-aimé, il a dit qu'il a porté toute la douleur. Alléluia. Oh, à l'instant même que je suis en train de parler, je crie, bien-aimé, que toutes sortes de douleurs, toutes sortes de cycles de douleurs dans ta vie s'arrêtent maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et que tu sois guéri, bien-aimé. Que tu sois guéri dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il a dit que c'est par les maîtrisures de ton sang, alléluia, que nous sommes guéris. Oh, bien-aimé, que tout ce qui... que tous ceux plutôt qui sont malades reçoivent tout simplement sa guérison. Parce qu'il y a une puissance de la Pâque. Il y a une puissance par sa mort. Jésus-Christ est la vraie Pâque qui a été immolée. Paul nous le dit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, détrompez-vous. C'est un pouvoir qui nous permet de changer de vie, la Pâque. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre le mystère qui s'est passé à la croix. Quand tu comprends ces choses, ta vie sera différente. Tu vas voir les choses différemment. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus n'a pas été mis dans l'eau bouillante. C'est pourquoi Dieu a interdit de mettre l'agneau dans l'eau. Parce que l'eau bouillante, je l'ai dit, est l'image de la souffrance des hommes. Or, l'homme s'est imposé lui-même des souffrances par le péché. Alléluia. Mais Jésus-Christ, fallait qu'il soit, l'agneau plutôt, fallait qu'il soit cuit au feu. Pourquoi? Parce que le feu symbolise tout simplement la justice des dieux. Alléluia. Donc, par la mort de Christ bien-aimé, Jésus était en train de nous délivrer et de nous rendre libres. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne te culpabilise pas. Parce que Jésus a fait un travail remarquable pour toi. Amen. Je ne suis pas donc là ce matin pour célébrer n'importe quelle Pâque, mais je célèbre la Pâque, la vraie Pâque dont Paul a dit que Christ est notre vraie Pâque. Alléluia. La Bible même, cette nuit-là, Dieu, je passerai. Bien, mais quand tu célèbres la Pâque, quand tu dresses toi-même ta table pour célébrer la mort de Christ, la résurrection de Christ, laisse-moi te dire, quand tu célèbres ce que Dieu a fait de toi, bien-aimé dans le Seigneur, je m'en vais te dire que tu vas voir des choses. Tu vas voir des choses. Alléluia. C'est ton ennemi lui-même qui va venir te demander pardon. C'est ton ennemi lui-même qui va venir te dire non, je ne vais plus te toucher, tu peux partir. C'est ton ennemi qui va changer. Ce sont tes ennemis qui vont changer de langage. Les sorciers de ta famille vont changer de langage. Alléluia. Les plans qui sont en train de faire comme toi, eux-mêmes, ils vont venir tomber dans ce plan. Pourquoi? Parce que tu as dressé une table pour célébrer ton Dieu, pour célébrer la Pâque des dieux. Alléluia. Jésus est notre vrai Pâque qui a été immolé. Ce n'est pas un lapin qui a été immolé à sa place. Jean-Baptiste, quand il a vu, il a dit « Voici l'agneau des dieux ». Il n'a pas dit « Voici le lapin de Dieu ». Il n'a pas dit « Voici les œufs de chocolat des dieux ». Alléluia. Je me demande même si en ce temps-là, il y avait des chocolats. Amen. Bien-aimé, que le diable ne nous trompe pas. Amen. Donc, nous voyons dans la Pâque que c'est le plan que Dieu a concrétisé. Par la Pâque, Dieu concrétise le plan qu'il avait pour l'homme. Par la Pâque, Dieu manifeste l'amour qu'il avait pour l'homme, pour toi et moi. Amen. Alors ce matin, bien-aimé, célèbre ton Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi. Amen. Il y a une puissance dans la Pâque. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, j'impose le silence à toutes sortes de maladies dans ta vie. J'impose l'arrêt de toute forme de cycle de recommencement, de chaque fois recommencer les mêmes choses dans ta vie. Par la mort de Christ, il a dit que tout
était accompli. Alors, j'ordonne que tout ce qui était ou qui cherche à nuire à ta santé, que ce cycle s'arrête maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Célèbre ta Pâque aujourd'hui. Célèbre ta Pâque. Amen. J'encourageais des gens de faire la Sainte Cène eux-mêmes, en famille, bien-aimés dans le Seigneur. La vraie Pâque, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui a été immolé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Une fois de plus, je vous souhaite de passer un excellent dimanche et bonne fête de Pâques à tous. Demeurez tous bénis.